Le troca après la bataille. Le troca, c'est ainsi qu'on l'appelait quand j'étais gamin. La place du Trocadéro après la bataille, le lendemain matin des émeutes, car ce sont des émeutes qui ont eu lieu. Arrêtons le discours tout à fait langue de bois qui dit que ce sont des débordements. Non, des émeutes. Et des perturbateurs, non, pas des perturbateurs. Des émeutiers, des casseurs, des voyous, de la racaille, comme on disait à une certaine époque. Eh bien, je suis allé, il se trouve que j'ai un bureau où je travaille juste à côté. Je suis allé à pied, j'ai pris des notes, j'ai fait le petit reporter, j'ai regardé ce qui se passait, j'ai écouté. Les commerçants, je les connais tous, le kiosquiste. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Première phrase qui m'a beaucoup frappé, ils m'ont dit « Monsieur Labro, à 20h30, on s'est senti seul au monde. » L'heure à laquelle les CRS ont quitté la place et ont laissé pendant 20 à 30 minutes les casseurs faire ce qu'ils voulaient. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils cassaient. Ils ne dévalisaient même pas les magasins, on cassait des vitres. Et apparemment, d'après toujours mon kiosquiste, on était au ball trap, ça les amusait beaucoup. Ils avaient, il faut le dire, de quoi casser. Car j'ai remarqué, je me suis un peu promené, au coin de l'avenue Kléber et du Trocadéro, le début de l'avenue Kléber, il y a quoi? Il y a des échafaudages, on ravale les immeubles. Donc il y a des tonnes, des tas de tubes, de trucs en acier, des barrières, des tuyaux, des arbres libres, là, à votre disposition. Si on avait simplement un peu repéré l'endroit avant la manifestation, on se serait peut-être aperçu qu'il y avait là de quoi aider les amis casseurs qui arrivaient, les mains dans les poches, depuis les métros les plus divers. Or, les commerçants nous le disent tous, on savait qu'il allait se passer quelque chose. La veille aux Champs-Élysées, il y avait déjà eu un pépin. Donc, ils avaient été prévenus de fermer dès 17h, mais eux-mêmes avaient prévenu la police. Bien. Alors, qu'est-ce que j'entends? Je vois des attroupements autour de la bouche du métro, et il y a la population de ce quartier, car encore une fois, le 16e, c'est un terme qui ne veut rien dire. On croit, quand on dit 16e, l'avenue Foch, Auteuil, Passy, les Friquets. Mais non, là, ce coin-là, c'est un quartier de bureaux. C'est des employés, ce sont des petits commerçants, ce sont des retraités, des chômeurs, chauffeurs de taxi, des ouvriers, toutes sortes de gens, des gens dits normaux. Et ils sont là, et ils parlent. Et il y a une foule qui commence à gronder et à exprimer ce qui va servir d'ici un an de vote au Front National. Là-dessus arrive, je suis là, regardez, les vitres cassées par terre, les voitures cramées, le champ de bataille, arrive le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Au moins, lui, il est sur le terrain, parce que j'ai vu ni le préfet de police, ni, bien sûr, un membre du ministre de l'Intérieur. Donc, Delanoë, très préoccupé, entouré d'une meute de journalistes, bien sûr, les caméras, les micros, j'arrive quand même à travers la forêt des caméras, des perches, voir et d'examiner le visage de cet homme, le maire de Paris, qui a l'air très préoccupé, les yeux très cernés, très ridés. Et évidemment, il emploie toutes sortes de phrases un peu pour un peu calmer les choses en disant « il ne faut pas généraliser ». Non, bien sûr, il ne faut pas généraliser, sauf qu'un confrère, un jeune confrère, lui dit « mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez pensé lorsque cet autocar de touristes japonais a été assiégé comme une diligence pratiquement ?» Delanoë répond « oui, oui, j'ai vu l'image tard dans la nuit, ça m'a traumatisé ». Ça n'a pas traumatisé que lui, ça traumatise d'abord les touristes, mais ça peut traumatiser aussi tous les offices de tourisme dans la France, dans le monde, les offices de tourisme français, car que va devenir l'image de ce pays, de cette tour Eiffel si visitée, aux yeux du monde, si on retient uniquement ces scènes d'émeute? Mon kiosquiste, mon commerçant me disent tous, encore une fois, c'était une population très précise, ils étaient 3B, blanc, black, beurre. Il faut oser le dire. Les blancs, c'était les ultras, et puis des casseurs presque professionnels. Puis Black et Beurre, c'était la banlieue, c'était les gens qui viennent régulièrement pour tout casser. Mais pourquoi et comment ont-ils autant et aussi facilement opéré? Il y a bien eu quand même quelque part dysfonctionnement. C'est ce que me disent tous les commerçants, dont celui-ci, mon restaurateur, qui me dit « Tous les ingrédients nécessaires étaient réunis pour qu'on puisse casser en toute impunité ». J'ai quitté cette troupe en entendant d'ailleurs à un moment donné quelqu'un dire « Attention, attention, il y a un sac là, un sac abandonné, il faut vous dégager. » Ce qui a permis au maire de Paris de sortir de l'attroupement qui commençait à se former autour de lui. Atmosphère de ressentiment, d'incompréhension, de sens de l'injustice. Avenue Kléber, un général de Napoléon. Avenue Delo, là aussi des voitures cramées. Une défaite de Napoléon. J'ai donc regardé mes maximes de Napoléon et vu celle-ci qui dit « La faute est dans les moyens bien plus que dans les principes ». On n'a peut-être pas mis tous les moyens. La question est de savoir pourquoi.